Alors, dernière vidéo sur le cours Ars 3. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'encapsulation, de la décapsulation et puis du protocole du bit alterné. Alors, on y va. L'encapsulation, c'est deux petits schémas là qui vont normalement vous éclairer en partie. Et puis, ouais, il y a des représentations là-dedans que je vais essayer de vous expliquer. Il y a des choses qui me plaisent que moyennement. Donc déjà, on retrouve les quatre couches hein, TCP/IP du modèle TCP/IP qu'il faut que vous connaissiez. On commence par la couche application. Par exemple, j'envoie un mail. Le contenu de mon mail, c'est une donnée. Dans mon en-tête, je vais avoir, c'est un mail envoyé par moi, donc j'aurai une identification, et puis vers qui. Donc ça, c'est l'en-tête couche application. La couche transport va arriver là-dessus. On va commencer à empaqueter la donnée avec cette entête-là dans des trames ou des datagrammes. On va procéder à un premier découpage avec des protocoles qui vont nous permettre de vérifier, qui nous permettront de vérifier si l'information est complète et bien passée. La couche Internet, elle va recevoir les datagrammes et les paquets, elle va éventuellement les redécouper en trames ou les ranger dans des trames de manière à les envoyer sur le réseau. Alors pareil avec des éléments pour vérifier que l'intégralité de l'information. Et derrière, on va envoyer les trames vers la couche réseau qui elle va s'occuper d'envoyer physiquement hein, signaux électriques, genre de choses, signaux lumineux si c'est de la fibre, de manière à transporter les trames vers la destination. Ça, c'est l'encapsulation. La décapsulation, bah, c'est pareil, mais c'est le contraire. On reçoit des trames par la couche réseau. La couche Internet reçoit les trames et vérifie qu'on les a toutes pour compléter l'information. On les rassemble, on les encapsule, on les désencapsule, on les décapsule de manière à obtenir, récupérer les paquets. On récupère les paquets, on les désencapsule, on les réassemble, on vérifie qu'ils sont complets. Et notre couche application va s'occuper de récupérer cette donnée-là et de vous les rendre lisibles. Hein. Si c'est un mail, et ben, c'est je ne sais quelle boîte mail qui sera capable de les lire, etc. Voilà pour l'idée. Alors je vous ai dit qu'il y a un truc qui ne me plaisait pas trop dans le schéma, et je vous l'indique tout de suite. La représentation en rectangle là, alors elle est bien, parce qu'on a l'impression que ça va être là-dedans, et puis que le rectangle là va là-dedans. C'est pas tout à fait le cas. L'ensemble des informations là, elle va aller là. Ouais, mais si c'est trop gros, en fait, on va découper ces paquets-là. Donc en fait, on va recevoir plein de petites trames ici, donc qui seraient représentées, enfin, qui ont un volume plus petit, au final, que ce qu'on aurait dans la couche Internet. Hein, la couche Internet, elle va récupérer les trames et les réassembler. Quand on regarde ce schéma-là, on a vraiment l'impression que le volume de l'information grossit, mais non, parce qu'en fait, l'information, elle a une certaine valeur au début, on va la découper. Et c'est ce morceau d'information qui va être encapsulé, éventuellement redécoupé pour être transporté. Donc voilà, c'est ça. Donc faites attention à cette représentation-là. La chose qu'on obtient à la fin du modèle TCP/IP n'est pas plus grosse qu'au début. C'est simplement qu'on a une information qu'on a découpée en plein de paquets, plein de datagrammes, qu'on a redécoupé éventuellement en trames. Et c'est ces petits bouts d'information qui vont voyager sur le réseau. Voilà. Alors le protocole du bit alterné. C'est implémenté au niveau de la couche en sortie de la couche Internet. Hein, donc on est sorti de la couche Internet, on est donc ici. Donc quand on reçoit les trames. Ça concerne pas les paquets, donc ça concerne bien les trames. C'est un principe assez simple en fait. Imaginez qu'on veuille envoyer une trame d'un ordinateur A vers un ordinateur B. Et l'objectif, c'est de s'assurer qu'on a envoyé toutes les trames qui contiennent d'une information donnée. On va rajouter au bout de cette trame un bit, soit un 1, soit un 0, qu'on appellera flag, le drapeau. B, lui, va envoyer un accusé de réception, acknowledge, qu'on va noter souvent ACK, à destination de A. Donc l'information A envoie une trame, on rajoute un bit à la fin. Et B va renvoyer un acknowledge, un accusé de réception, avec un bit aussi à la fin. C'est quoi le principe? Eh bien, le principe, c'est que l'accusé de réception renvoie un bit opposé à l'envoi. En clair, ici,
A envoie une première trame en rajoutant un bit égal à 0 à B. Et B va renvoyer un accusé de réception avec un bit opposé à 0, hein, donc 1. Et à chaque fois on alterne. La trame numéro 2, faudra que ce soit un autre l'autre valeur de bit, donc 1. Et en accusé de réception, on va envoyer 0. Donc on envoie 0. Oui, j'ai bien reçu, j'envoie 1. Le suivant, j'envoie avec un 1. Oui, j'ai bien reçu, je renvoie 0. Je renvoie avec un 0. Oui, j'ai bien reçu, j'envoie avec un 1. Alors, qu'est-ce qui se passe si jamais on a perdu une trame? Bah, par exemple, si on envoie la trame 1 et que B n'a pas reçu, il n'envoie pas ça. Et que on envoie en même temps la trame 2 parce que ça passe par un autre élément de routage. Et bien B va renvoyer une accusé de réception 0. 0 n'est pas 1, donc on va comprendre qu'on a perdu une trame. On va s'arrêter. Et on va renvoyer éventuellement l'information. Alors ça, hein, donc le 1, c'est pour vraiment vérifier, c'est bon, je l'ai bien reçu. Mais concrètement, ce qui se passe, c'est même pas tout à fait ça. En fait, on a un système d'horloge, et c'est le fameux timeout, hein, qu'on voit de temps en temps. On envoie l'information, et si on ne reçoit pas d'accusé de réception, ben on va mettre un timeout. Voilà. Alors, faut savoir hein, que le bit alterné, donc il permet pas de récupérer les trames perdues, hein, c'est juste une indication, j'ai pas reçu, voilà, c'est tout. Et puis c'est quand même un protocole qui est un peu désuet aujourd'hui. Hein. C'est dans votre programme, mais c'est quelque chose qui disparaît, qui est plus vraiment utilisé. Voilà, fin du cours. Alors c'est un cours un peu compliqué. N'essayez pas de tout comprendre, je pense. Essayez d'avoir une vision d'ensemble. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de ça? Donc, ouais, qu'est-ce que c'est qu'un protocole? Ça, c'est important. Qu'est-ce que c'est qu'une représentation numérique de l'information? Qu'est-ce que c'est qu'un service? Connaître les quatre couches du modèle TCP/IP. Essayer de retenir quelques protocoles HTTP, SMTP, DNS, TCP, IP. Voilà, pas beaucoup plus. Connaître en gros ce que font chacune. Des couches, retenir, avoir compris ce que c'est qu'une trame, hein, ce que c'est qu'un paquet, un datagramme. Ces schémas-là, bon, ils sont pas très compliqués, vous pouvez aussi les retenir, et puis avoir compris hein, le bit alterné. Voilà. Allez, cours est terminé.